Tehilim 101, on a fini les Tehilim de Moshe Rabbeinu, et là on va recommencer alors avec les Tehilim de David Hamelech. Alors qui c'est qui a écrit le Tehilim 101? Alors on va voir d'abord pourquoi ce Tehilim, quelle est la ségoula de ce Tehilim et pourquoi il a été écrit. Alors la ségoula, pour lire le Tehilim, si quelqu'un y prie quelque chose, un chidour, des enfants, des bons enfants. Souvent, des gens, ils prient pour avoir des enfants et on oublie de prier d'avoir de bons enfants, d'avoir une parnassa, d'avoir une bonne parnassa. C'est pas juste d'avoir de l'argent, pas seulement d'avoir d'argent, d'avoir d'abracha dans l'argent que l'on a. Faut toujours prier à avoir. Alors, s'il veut finir que sa prière, elle monte à Akadosh Baruch Hu, qu'il prie ce qu'il a envie de prier, ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, et qu'il termine avec le Tehilim 101. Et ce Tehilim dit le Zohar que ça va ouvrir les portes du ciel pour qu'Akadosh Baruch Hu, il va l'aider à faire monter la prière. Celui qui veut demander la pitié à Akadosh Baruch Hu pour une femme qui n'a pas d'enfant. Une maman qui a besoin d'avoir des yeshuot pour avoir des enfants, alors c'est marqué dans le Midrash, qu'elles disent le Tehilim 101 et Akadosh Baruch Hu, il lui ouvrira le ventre. Pareil, quelqu'un qui a un homme, peut-être souvent, des fois il y a des hommes qui sont malades aussi, alors on peut prier pour lui pour pouvoir arriver. Pareil, dans les moments de Ta'anit, on sait que Shiva Asar Tammuz, Asara Betevet, Tisha B'Av, tous les jeûnes que l'on fait, principalement les jeûnes, c'est pas fait pour nous faire souffrir. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé que les Hachamim nous font des jeûnes. On voit Kippour, c'est un jeûne. De là, Hachamim se sont instaurés. Ont pris le concept de Tisha B'Av, Shiva Asar B'Tammuz, Asara B'Tevet, et ainsi de suite. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, principalement, c'est la Shviron Nefesh. L'homme, il doit regarder qu'il mange pas, regarder comment il est faible, il n'a pas pris le café, aïe, j'ai mal à la tête. L'homme, il se prend pour un géant, il lui manque un petit café, il est faible, on dirait il est faible, on dirait une feuille morte. Alors tout ça, c'est pour rappeler à la personne combien on a besoin d'Akadosh Baruch Hu. Alors le Tehilim 101, le dire au moment où on fait des jeûnes, qu'aider les vakesh mais Hashem al nafsho, pour que Akadosh Baruch Hu, que l'homme, il demande à Akadosh Baruch Hu son âme et qu'il lui résout toutes ces difficultés qu'elles ont été faites. Quand est-ce que ce Tehilim, il a été écrit par David Hameler? Alors le Meiri, Rabbi Menachem HaMeiri, qui a écrit environ il y a 500 ans son Pirouche, il dit que David HaMelech parle un peu différemment que tout ce qu'on a l'habitude. Ce Tehilim, il a été écrit quand David HaMelech, il était roi, il était heureux, il n'était pas en souffrance, David HaMelech. David HaMelech n'était pas en train de souffrir de quoi que ce soit, et il a seulement expliqué qu'est-ce que c'est être un roi juif. Nous, on pense à un roi. À qui on pense? À un roi? On pense à Charlemagne, on pense à Napoléon. On ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire un roi. On n'a pas vraiment d'idée de ce que ça représente un roi. Alors David Hamelech, il va nous expliquer dans ce Tehilim qu'est-ce que ça veut dire un roi juif. Comment un roi juif, il doit se comporter. Le Sepporno et le Radak, ils ont continué et ils ont dit que David Hamelech, David Hameler, il a écrit ce Tehilim par rapport au moment où David Hameler y réfléchissait, au moment où avoir la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, et pour cela David Hameler, les horaires basés Israël Begalout, pour réveiller le peuple juif au moment de l'exil. Et avec cela, nous allons mériter la délivrance. Dans le Midrash Tehilim, il est écrit que on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il éloigne la personne de toute personne qui fait du mal, et que toute personne qui dit la shonara, toute personne qui dit du mensonge, ou toute personne qui a de la gaava. Alors David HaMelech, il va nous expliquer c'est quoi le royaume, et kaviyachol. On sait que le royaume de David représente ici-bas sur terre le royaume d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel. Donc à travers ce Tehilim, on va comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire le royaume de Akadosh Baruch Hu. Alors on va commencer avec le Tehilim. David HaMelech dit les David Mizmor. David HaMelech, c'est lui qui a écrit ce Tehilim, c'est lui qui l'a écrit comme on a expliqué à travers le Meiri. Chesed ou Mishpat Ashira.
David Amelech, il dit Chesed, la bonté, ou Mishpat et la justice, à Shira, je vais chanter. Alors, quelle différence il y a entre une Shira et, et un Zemer? Des fois, David Amelech, il dit Zemer. Qu'est-ce que c'est Zemer et qu'est-ce que c'est Shira? Alors, Rashi nous explique et il dit que, en vérité, l'homme, il perçoit Kadosh Baruch Hu de deux façons. La façon qu'on perçoit Kadosh Baruch Hu, elle est souvent de Chesed, qu'Hachem nous fait de la bonté, ou bien on perçoit Kadosh Baruch Hu dans le Mishpat, dans la justice, dans la rigueur. L'homme, il voit Kadosh Baruch Hu de ces deux façons, Chesed ou Mishpat. Alors, quand ça va bien, ouais, on a l'habitude de chanter à Kadosh Baruch Hu. Vous voyez un gars le matin, il a gagné 50 millions de dollars. Ah, il est heureux. Le gars, il a pris un PV. Ah, tchabeb. Ouais, il est triste. Alors, David Amelech, il dit, moi, c'est pas comme ça. À Kadosh Baruch Hu, Chesed ou Mishpat. Qu'Hachem, il me fasse du bien. Ou que Kadosh Baruch Hu, il me fasse la difficulté. Ashira Alecha. Je vais chanter à Kadosh Baruch Hu. Hachem Azamera. Alors, on voit que David Amelech, il emploie deux termes. Il emploie le mot Shira et il emploie le mot Zemer. Quelle est la différence entre Shira et Zimra? Rashi ramène ici la Gemara dans Masechet Berachot. La Gemara, on l'a vu plusieurs fois, Daf Samer, page 60b. La Gemara dit que Shem Shemevarchim ala Tova, Kach Mevarchim ala Ra'a. La Gemara dit de la même façon qu'on le remercie à Kadosh Baruch Hu sur le bien. Pareil, on doit remercier à Kadosh Baruch Hu quand il nous arrive du mal. Amarav la Gemara a dit, lo nitzrecha ela lekabluni besimcha. La Gemara a dit, d'où est-ce qu'on sait que même quand il arrive à la personne quelque chose de difficile, il faut l'apprendre avec joie, dit la Gemara, amar Rabbi Acha mishum Rabbi Levi. Il dit Rabbi Acha au nom de Rabbi Levi, chesed u mishpat ashira lecha. Que David Amelech, il a dit que Hachem, il envoie le chesed, la bonté, ou Mishpat, il envoie la difficulté, Ashir Alecha. Je vais louanger à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire? Im Chesed Ashira, Veim Mishpat Azimra. Que ça soit le Chesed, alors ça vient avec Shira, et quand ça vient avec Mishpat, avec la rigueur, ça va venir avec Zimra. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ces deux concepts de pouvoir y arriver? Alors, principalement, la différence entre Shir et Zimra, ils expliquent les Mefarshim et ils disent la chose suivante. Shir représente un chant sans avoir avec soi une musique. Quand une personne, juste elle chante, des mots, elle se lève le matin, Shira Ma'alot, Mizmor le Toda, merci à Kadosh Baruch Hu. Le fait juste de chanter, ça s'appelle Shir, une Shira. Une Zimra, c'est quand la personne, elle a besoin d'avoir un accompagnement pour pouvoir être à Kadosh Baruch Hu et chanter avec à Kadosh Baruch Hu, alors ça s'appelle Zimra. C'est pour ça que David HaMelech dit « Chesed ou Mishpat ». La Gemara dit « Quand l'homme il lui arrive d'avoir de la bonté, c'est Shira, c'est facile de chanter à Kadosh Baruch Hu. Quand il arrive Mishpat, alors on a besoin d'avoir une petite guitare avec nous pour pouvoir BMF remercier à Kadosh Baruch Hu et avoir. David Amelech, il a passé dans sa vie différents moments. David Amelech, ça n'a pas toujours été facile. Des fois, il a eu du chesed, des choses bien, des fois des difficultés, comme on le sait, avec son beau-père, Shaoul, avec ses enfants, avec Achitophel, avec Avidoeg. Dans tous les cas, David Amelech, il avait ce concept de chesed ou ce concept de mishpat. Le Ibn Ezra, il explique et il dit qu'en vérité, de quoi ça parle? Ça parle de David HaMelech. Que David HaMelech, c'est pas ce qu'il recevait, mais plutôt ce que lui, il donnait. Et il dit, « Ouayach osechesed ». David HaMelech, sa vie, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien avec les gens. David HaMelech, il sortait. David HaMelech, il s'occupait de chaque juif en particulier. Il restait pas dans son royaume pour pouvoir se cacher derrière ses murs et pas s'occuper. La Gemara dans Masechet Berachot que David HaMelech, il dit, qui chassidani, parce que je suis un homme pieux. La Gemara, dit pourquoi David, il s'appelait un chassid. Il dit parce que tous les rois, ils dorment des heures impossibles et ils s'occupent seulement de manger, de boire et d'avoir des ducs et des duchesses. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je passe mon temps
à m'occuper des hommes et des femmes pour permettre une femme à son mari, pour pouvoir donner la purification à une femme qu'elle a besoin, à savoir, et mes mains sont remplies de sang, à savoir quand il y avait des mamans qui perdaient leur bébé, alors on devait savoir si c'était un garçon, si c'était une fille, à savoir le fœtus, si la maman elle devenait impure pour 7 jours, elle était impure pour 14 jours, par rapport à ça, il y avait les jours que la maman était permise, la femme, pendant 33 jours ou pendant 66 jours. Alors tout cela, David HaMelech, il dit, moi, Chassidani, pourquoi je suis un homme bien? À cause que je donne. L'homme, il s'appelle un Baal Chesed. Quand une personne, elle donne à l'autre, alors il s'appelle automatiquement un Chesed. David HaMelech, il dit, seulement, vous savez, des fois, la bonté, elle a une trop grande bonté et on oublie de mettre des règles. C'est quoi un bon parent? Un bon parent, c'est pas un parent qui fait ce qu'il veut. Allez, mes enfants, allez vous amuser, casser la maison, faire. Un jour, je suis rentré dans une maison, il y avait du linge, des affaires. Écoutez, madame, on peut pas circuler. Ah, mais c'est les enfants, faut les laisser. Non, madame. Des enfants, ça veut pas dire la jungle. Mowgli, il vit dans la jungle. Des enfants doivent avoir une structure. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on doit avoir des Mowgli dans la maison. Les Mowgli, ça va dans la jungle. Ça va au zoo de Granby. Une maison, elle doit avoir une structure de vie pour pouvoir avancer. David HaMelech, il dit pareil. Chesed ou Mishpat. J'étais gentil avec les gens. Mais c'est pas parce que j'étais gentil que je me laissais écraser. Il dit le Eben Ezra, Mishpat. Aussi, je savais mettre les règles qu'il fallait pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir avancer. Le Zera Shimshon. Vous savez, on avait commencé ce cours pour pouvoir faire Zera Shimshon. Alors, dans le Perek 101, le Zera Shimshon, il explique ce verset. Que veut dire Mizmor? David Mizmor, Chesed ou Mishpat, Ashira Lecha, Hashem Azamera. La Gemara, dans le deuxième, dernier Perek, pardon, de Gemara, Masechet Rosh Hashanah, dans la page 32b, la Gemara là-bas, elle ramène une discussion qu'il y a entre les Malachim et Akadosh Baruch Hu. Vous savez que généralement, chaque fête, elle est amenée dans la Torah avec une louange à Akadosh Baruch Hu, le Hallel. Exemple, Pessah, on fait le Hallel. Sukkot, on fait le Hallel. Simchat Torah, on fait le Hallel. Shavuot, on fait le Hallel. Pessah, on fait au moins le Hallel les deux premiers jours en Chutz Laaretz. En Israël, on fait un jour. On ne fait pas le septième jour à cause qu'il y a eu l'ouverture de la mer Rouge. Akadosh Baruch Hu, il a tué des millions de personnes. Alors automatiquement, on ne fait pas de Hallel. Mais les Malachim, ils disent, on fait seulement le demi-Hallel. On ne fait pas le Hallel complet, je veux dire. La Gemara dit que, Masechet Rosh Hashanah, page 32b, la Gemara dit que les Malachim, ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, Hachem, pourquoi le jour de Rosh Hashanah, où Akadosh Baruch Hu, il va juger tout le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, il demande pas aux humains de faire le Hallel. Pourquoi les Béné Israël ne font pas le Hallel le jour de Rosh Hashanah? Alors, Akadosh Baruch Hu, il répond au Malachim et leur dit, je comprends pas. Moi, je suis en train de juger. Et devant moi, il y a les livres de la vie. Et il y a les livres de la mort. Et ils sont ouverts devant moi. Et vous voulez que les Béné Israël, ils vont dire une louange à Akadosh Baruch Hu? C'est quoi votre question? Et le Zera Shimshon, il demande, et il dit, je comprends pas. C'est quoi la question que les Malachim, ils demandent? Pourquoi les Béné Israël devraient faire une Shira à Kadosh Baruch Hu? Je comprends pas. Depuis quand il y a une obligation de devoir dire une Shira à Kadosh Baruch Hu? Et c'est quoi la réponse que Kadosh Baruch Hu, il répond? Ah, je suis en train de juger les hommes, les vivants et les morts. Il y a devant moi les livres de la vie et les livres de la mort qui sont ouverts. Et vous voulez dire une Shira? Je comprends pas. L'inverse. Du fait que Akadosh Baruch Hu, il va juger, alors Hachem, il est Melech HaMishpat. Hachem, il est le roi de la justice. C'est l'inverse. On devrait chanter et louanger Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il louange. Pourquoi? À cause que le passouk qu'il écrit, Chesed ou Mishpat Ashurein. Il dit, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est marqué dans le passouk, David Mizmor, Chesed ou Mishpat Ashira. Qu'on doit louanger Akadosh Baruch Hu dans les moments faciles et dans les moments difficiles, même quand Hachem y fait le Mishpat. Alors à Rosh Hashanah, que Akadosh Baruch Hu, il est Melech HaMishpat. Il est le roi de la justice. Ce serait pas le moment de louanger Akadosh Baruch Hu. David HaMelech, il a dit, Chesed ou Mishpat
Ashira. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il dit au Malachim que le jour de Rosh Hashanah, il n'est pas le moment de juger, de chanter et de louanger Akadosh Baruch Hu. Dit le Zera Shimshon, en vérité, une réponse pour les deux questions. Et il dit, alors il dit la chose suivante. Il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est chesed ou mishpat. Alors, les Malachim, ils disent, Akadosh Baruch Hu, du fait que toi, tu es chesed ou mishpat Ashira, comme David HaMelech, il a dit, alors en vérité, à Rosh Hashanah, on devrait juger et chanter Akadosh Baruch Hu, que même si Akadosh Baruch Hu, il va malheureusement juger des gens, alors c'est ça la vie. Hachem, il donne le bien. Hachem, il donne des fois des difficultés. Et on doit tous prendre avec amour la décision d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que malgré que l'on sait, Dieu préserve, voilà les nouvelles lois, les Chem, il y a des personnes qui sont parties durant cette année. Quand est-ce qu'ils ont été décidés? Ils ont été décidés le jour de Rosh Hashanah. Alors on devrait chanter Akadosh Baruch Hu, parce que c'est là qu'Hachem a décidé le bien ou le mal. C'est pas important, il n'y a pas de mal. Mais pour nous, c'est de la justice. Alors on devrait juger Akadosh Baruch Hu. Alors, quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il veut pas qu'on lui chante? Il dit le Zera Shimshon, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a répondu? Akadosh Baruch Hu, il a répondu, les livres de la vie et les livres de la mort sont ouverts devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire, sont ouverts devant moi? Ça veut dire que le jour de Rosh Hashanah, on sait jusqu'à la dernière seconde de Rosh Hashanah, on a encore une chance d'être écrit dans le livre de la vie. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, à quoi ça ressemblerait si le peuple juif, il louangerait Akadosh Baruch Hu le jour du Rosh Hashanah, alors ça ressemblerait à du shochad. Ça ressemblerait comme si qu'on donne à Akadosh Baruch Hu un pot de vin. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, du fait que les livres y sont encore ouverts, qu'est-ce que ça veut dire que les livres y sont encore ouverts? Que la décision, elle n'a pas encore été prise. Alors du fait que les livres y sont encore ouverts devant Akadosh Baruch Hu, alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai pas le droit, que le peuple juif ne peut pas chanter Akadosh Baruch Hu, parce que ça ressemblerait comme si qu'on donnerait à Hachem, malheureusement, Hasbe Shalom, un shochad. Et maintenant, on doit savoir, c'est quoi le shochad? La Gemara, le Shulchan Aruch, dans le Siman de Rosh Mishpat, Siman Tet, il nous dit, qu'est-ce qui se passe si vous avez un Dayan? Que le Dayan, vous avez pas l'habitude de lui dire bonjour. Et maintenant, ce matin, vous avez une cour. Et ce matin, vous allez devant sa maison, vous dites, bonjour, monsieur le rabbin. Juste le fait de lui dire bonjour devant sa maison, juste de dire un mot supplémentaire par rapport à l'autre, ça donne déjà la possibilité au Dayan de ne plus avoir une tête claire pour pouvoir le juger. Alors il dit, le Zera Shimshon, du fait que les nations du monde vont pas chanter à Kadosh Baruch Hu et que le livre sont encore ouverts, si nous on chanterait à Rosh Hashanah, alors ça serait Shochat Devarim, ça serait un pot de vin avec nos paroles. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, et il veut pas que l'on chante. C'est pour ça que durant tout le processus qu'on est jugé, on chante pas. Quand est-ce qu'on va chanter? On chante le jour de Sukkot. À Sukkot, peut-être que Akadosh Baruch Hu, il a décidé malheureusement de mauvaises choses, c'est pas grave. Parce que Chesed ou Mishpat Ashira, après que Akadosh Baruch Hu, il a jugé, alors on va chanter. Mais avant d'avoir été jugé, c'est là qu'on chante pas à Akadosh Baruch Hu, comme ça que le Zera Shimshon nous explique. Il dit le pasuk Askila Bederech Tamim. Alors que veut dire Askila Bederech Tamim? Ça veut dire la personne, elle doit aller avec simplicité. Qu'est-ce que ça veut dire Tmimut? Alors tout le monde sait que Rabbi Nachman de Breslev, il écrit, et il dit que la Tmimut, la simplicité, c'est un niveau de grandeur d'Akadosh Baruch Hu plus grande que la Chochma. Et il dit Rabbi Nachman, il dit que l'homme, il doit savoir qu'il n'existe pas de niveau plus haut dans la vie que le concept de la Tmimout. La Tmimout, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans le service divin d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, Behemet la Tmimout? Que veut dire servir Hachem? Alors, vous savez, les gens, on arrive bientôt à Pessah, on a dit souvent que dans Pessah, il y a quatre enfants. Chacham, Tam, Racha, Chacham, Racha, Tam et Sheino Yodé Alishon. Les gens, ils pensent souvent que, on va dire, le tzaddik, c'est plutôt le Chacham. Mais en vérité, c'est pas marqué tzaddik. Tzaddik, c'est un concept. Chacham, c'est un autre concept.
Racha, un autre concept. C'est quoi le tzéki, le tzadik dans les quatre enfants? Rabbi Nachman de Breslev dit que le tzadik, c'est le tam. Qu'est-ce que ça veut dire, tzimimut? Alors, généralement, les gens, quand ils entendent le mot tam, ils disent, ah, il est simplé. Y a-t-il le brel de la classe, qui fait pas de bêtises. Vous savez, celui qui est assis en classe, oui, Mora, ok, Mora, qu'est-ce que je fais? C'est-il le brel? Non, c'est pas ça, tamim. Tamim, rien à voir avec brel. Vous trompez pas entre le brel et le tamim. C'est quoi le tamim que la Rabbi Nachman nous dit qu'il n'y a pas un niveau plus élevé que la tmimout? Explique le Malbim. Le Malbim, il dit, que veut dire servir Akadosh Baruch Hu avec tmimout? Et il dit comme ça. Askila bederech tamim. Il dit le Malbim, geder atmimout, c'est quoi le principe de servir avec la tmimout? Je veux juste dire un concept qui est écrit, qui est connu, que dans le monde, il y a deux grandes façons de penser. On va l'appeler la pensée séfarade et la pensée ashkénaze. La pensée séfarade et ashkénaze, elles sont différentes dans leur vision de servir à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde est bien, on n'est pas en train de juger personne, mais il y a deux façons de savoir. Le monde ashkénaze est plus connu pour ce qu'on appelle le service d'Hachem Bechorma, dans l'intellect. Savoir servir Hachem, comprendre chaque chose, pourquoi. Il y a des choses bien, mais il y a aussi des choses pas bien. C'est marqué dans les livres, que vous savez, on va reprendre l'exemple des Arba Abanim, des quatre enfants. C'est pas marqué Chacham chez Enoyode Alishol. Normalement, si on a un versus l'autre, on aurait dû écrire l'intelligent et le Chéno Alishol, l'idiot. C'est comme ça qu'on aurait dû écrire. Pourquoi on a écrit Chacham Racha? Pourquoi? Alors les Mefarshim, ils expliquent et ils disent, parce qu'on n'est pas dans l'opposé. On est dans la même Mida, mais un dans le bon et un dans le négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui sert Dieu avec Chochma, qui sert Hachem avec sagesse. C'est quoi le danger de servir Hachem avec sagesse? Le danger de devenir un rachat. Un homme qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, qu'en comprenant ce qu'il veut, alors à la fin il devient un rachat. Pourquoi? Parce que quand on se sert la Torah, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une phrase incroyable qui dit « L'homme doit se soumettre à la Torah et ne pas soumettre la Torah à ses désirs. » Ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent la Torah et ils s'en servent pour arriver à leurs besoins. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas la Chochma. La Torah, c'est quoi? Si l'homme, il sert Hachem qu'avec la Chochma, bar minan, qu'est-ce qu'il peut avoir? Il peut avoir devenir une mauvaise personne. Prenons un exemple. Vous savez que chez les Ashkenazim, ils ont créé différents concepts. Conservateurs, réformés. Tous ces mouvements, pourquoi ils ont été créés? Pourquoi chez les Ashkenazim, je ne suis pas en train de critiquer cette metziout, pourquoi on a eu la Haskala, tous ces mouvements, à cause qu'on a servi Hachem avec sagesse. Alors le danger, c'est quand on ne comprend plus, ou bien on veut rentrer notre Chochma dans la Torah, alors on devient conservatisme. On devient conservateur, on devient réforme, on devient reconstitutionniste, on devient tout ce que vous voulez, tous les ismes qu'ils ont eu à travers les temps pour pouvoir ne plus servir Hachem. C'est pour ça qu'il y a Chacham et après il y a Racha. Le Sepharad, il n'est pas dans la Chochma. Il est dans le service simple. Prenons nos grand-mères, ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Je suis désolé, ma grand-mère ne savait pas lire et ne savait pas écrire. Mais ma grand-mère, tous les matins, elle prie Hachem. Un jour, mon père lui dit, maman, pourquoi on ne mange pas le Chametz? Elle dit, parce que Hachem, il a dit. Et alors, quelqu'un dans la famille, il avait mangé un bonbon. Ma grand-mère, elle lui a dit, tu vas avoir une grenouille qui va sortir du ventre. Tellement, elle était sûre. Mais c'est pas un mot. Elle était certaine que une grenouille va sortir du ventre. Pourquoi? Parce que Hachem, il a dit. Non, Hachem, on pose pas de questions. Ça s'appelle la tmimout pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le danger de la tmimout? Le danger, c'est que les gens, ils savent plus. Parce que si on n'utilise pas la sechel, alors après, on crée des ignorants. Des gens, malheureusement, qui savent rien, qu'ils arrivent, connaissent rien. Ils ont arrêté, ils vont pas à l'école, on sait plus, on connaît plus. Et on crée, malheureusement, des berlines qui sont là, ils connaissent rien du tout. Mais on crée pas des antis. La chochma, elle crée des antis. La tinimout, elle crée des ignorants. C'est le danger. Faut pas tomber. C'est pour ça qu'il faut avoir la chochma avec la tinimout. Faut pas être. C'est pour ça marqué dans les sfarim que la tinimout, elle est au-dessus de la chochma. Qu'est-ce que c'est cette chochma que l'on parle, qui est au-dessus de cette tmimout, pardon. C'est quoi cette tmimout qui est au-dessus de la chorma? Il dit le Malbim.
Gederat Mimut, Shiase Maase Hatzedek, qui va faire un acte de bonté, de justesse à Kadosh Baruch Hu, Shelo Ba'avur Shum Tnipnia Chitzonit. L'homme, il doit faire pour Hachem sans avoir aucune raison extérieure. Ça veut dire, tu dis, mamie, pourquoi on ne mange pas du Chametz? Pas parce que Akadosh Baruch Hu va donner Olam Haba, pas parce que tu vas avoir une grenouille dans le ventre, parce que Hachem, il a dit. Hachem, il a dit, ça suffit pour pouvoir écouter Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il va avoir dans le Olam Haba? Pas important. Hachem, il a dit qu'il va avoir un bon monde. Vous savez, beaucoup d'enfants, des fois, les gens, ils appellent. Monsieur le rabbin, comment je dois expliquer à mon fils le Olam Haba? Qui a dit qu'il faut lui expliquer? Comment je dois expliquer le Gehinam? Qui a dit qu'on doit expliquer? Hachem, il a dit, fais le bien, ça suffit. On n'a pas besoin souvent d'expliquer beaucoup aux enfants. Pas parce que Chas de Shalom, on les prend pour des idiots. Parce que Behemet, servir Hachem, Bitmimut, ça, c'est le niveau le plus haut. Moi, quand j'étais petit, je me suis jamais posé la question, c'était quoi le Olam Haba? Hachem, Olam Haba, c'est la plus belle chose qu'Hachem, il a dit, point à la ligne. Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est comme ça. Un jour, je me rappelle, j'étais à l'école, il m'a enseigné que Moshe Rabbeinu, il a regardé le Mitzri, il a tué. Comment il a tué? Bon, Hachem, il a regardé, ça s'arrête là. Un jour, j'étais en classe, je me rappelle, en 99, j'enseignais grade 3, et un enfant, il me dit, Rabbi, c'était comme Goldorak, il a regardé, il a... Mais dans ma vie, j'avais jamais pensé à un laser des yeux. Moi, mon cher Abenou, il a regardé, il est mort. Point la ligne, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. On m'a appris, Moshe, regarde, Moshe, il a tué. Il n'y avait pas besoin d'avoir une explication supplémentaire. En rajoutant un dessin dans la tête d'un enfant en Goldorak, un faisceau lumineux, on a enlevé de l'enfant un Yesod HaEmuna. Quelque chose qui était basé. La Gemara a dit que Rabbi Shimon Ben Yochai, il a regardé un homme, il a rendu Gal Shel Atzamot. Comment? C'est comme simple. C'est arrivé. Mon cher Rabbi Shimon Ben Yochai, il a tué. Prends la ligne. Il n'y a pas besoin de plus que ça pour comprendre, pour pouvoir y arriver. L'atmimut, c'est servir Hachem sans avoir une attache personnelle. Pas d'amour, pas de bon et pas de mal. Oba avu pinya acheret, kedeleit gaot. Souvent, des gens, ils font des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'enorgueillir. Ou les paer. Ils veulent dire, waouh, t'as vu ce rabbin, waouh, t'as vu celui-là, waouh, qu'est-ce qu'il est bien. Ça, c'est pas tmimout. Ça, c'est faire les choses sans simplicité. Ra ki aseu. Pourquoi? Pourquoi on doit faire? Il dit le Malbim. Mitzad ahavat atov. Parce que on aime le bien. Point. Un homme, il donne à tzedaka. Pourquoi? Pas parce que l'autre, il mérite. Peut-être que l'autre, il mérite pas. Je sais pas. Je suis pas dans le portefeuille de l'autre pour savoir combien l'autre, il a. Est-ce que l'autre, il est riche? Est-ce que l'autre, il est pauvre? Un homme, il a tendu la main. J'aime aider quelqu'un. Je peux. 1, 2, 10, 100, 1000, 1 million. Chacun avec ce qu'il peut, je l'aide. Quelqu'un, il vient me faire un sourire. Je lui fais un sourire. Pourquoi tu lui fais un sourire? Parce que j'ai envie de répandre le bien sur terre. J'ai envie de répandre la ahava, l'amour sur terre. Alors je te fais un sourire. Pourquoi? Parce que le sourire, il est important pour la personne qui est en face de toi. Bavur Sheutov, une personne qui réfléchit de vouloir faire du bien pour le bien, sans avoir aucune intention autre que cela, ça veut dire qu'il aime le bien. Umitzat Shetshiva Hashem Alav. Alors Akadosh Baruch Hu t'a demandé, le fait que Dieu te demande, dit le Malbim, c'est ça qui amène à la personne de vouloir faire le bien. Et il dit, mais dans le monde extérieur, l'homme il s'appelle Tamid, Shematmid Batzedek, que l'homme il essaye d'être droit, d'être une bonne personne. L'homme, ce qu'il doit savoir et faire attention, à combien tu es achetable. On avait déjà parlé de ce concept, par exemple. À combien tu es prêt à devenir un monstre? Ça te prend $1, $10, $100, comment? Ben c'est simple. Prends ton verre, je casse ton verre qui a coûté $1. Tu pètes un câble pour $1, tu vends $1. Une personne essaye un peu d'eau, un peu de vin sur sa nappe, elle pète un point, elle commence à crier. Bon, tu vaux tu vaux un quart de jus de raisin sur une nappe, ça que tu vaux. T'es capable de t'énerver par rapport à un peu de tchouk-tchouka sur une serviette salie. Bon, tu vois une serviette, qu'est-ce que je peux faire pour toi? La valeur que tu as, c'est la valeur que tu es prêt à devenir une personne que tu ne veux pas être pour pouvoir y arriver. Ça, c'est la valeur de la personne, que la personne,
elle va arriver. Dans chaque chose, l'homme, il doit savoir quel est ton prix. À combien tu es prêt à changer ? 100, 1000, 10 000, 100 000. À combien tu es prêt pour pouvoir y arriver ? Un gars, combien tu es prêt pour être Mechalel Shabbat ? 1000 dollars, 10 000 dollars, 100 000 dollars ? Un coup de téléphone, c'est quoi ? C'est quoi la facture de téléphone ? Un jour, Bar Minan, je rentre dans une maison, le fils il m'a dit, Rabbi, mon père, il éteint la lumière, il allume les lumières. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que si on a oublié une lumière, vendredi, il n'a pas la bonne lumière, il éteint. Est-ce que je peux être yotzé du kidouche avec lui ? Le pauvre. Je parle à ce monsieur, je dis, monsieur, comment on vous allume ? Oui, vous comprenez, ils ont oublié une lumière. Je lui dis, mais votre Shabbat, il ne vaut pas un dollar. Votre Shabbat, il ne vaut pas deux dollars. Je ne comprends pas. Éteindre une lumière, allumer une lumière. Ils ont laissé deux toilettes allumées à la place de un, vous pétez un câble, alors vous éteignez la lumière. C'est quoi ? À combien ça ? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête ? La réponse, elle est, c'est que pour lui, le Shabbat, il vaut un dollar. Parce que si Shabbat, il valait un milliard, tu ne vends pas un milliard pour un dollar. C'est pas fou de le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle tamim. Tamim, que tu n'es pas achetable à aucun de tes yetzerara, à aucun de tes difficultés, à rien dans ta vie, tu vas mentir. Ou mitzad, ou bechozot, yuchaliot, shiotamim belibo. Il dit, mais attention, tu sais, il y a des gens, il dit le Malbim, tu les vois extérieurement, ils ont l'air bien. Mais à l'intérieur, c'est pas vrai. À l'intérieur de eux, ils sont pas des bonnes personnes. Par exemple, la Gemara nous dit comment on reconnaît une personne, koso, kiso, kaso. Il y a des gens, tu peux tout, juste leur touche pas leur poche. Tu touches pas la poche. Le jour où tu touches leur poche, ils te tuent, son père, sa mère, son frère, sa sœur, toute ta famille, il te l'a décimé. Pourquoi? Ah, tu m'as volé 1000 dollars. Je savais pas que ton père, il valait 1000 dollars. Je savais pas que ta belle-mère, elle valait 1000 dollars. Elle-même à 50 dollars, il a déjà vendu. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que la personne, en vérité, il n'est pas vrai. La Gemara a dit, comment on reconnaît une personne? C'est pas ce que tu vois. C'est au moment où la personne, elle est en difficulté, la façon comment réagit avec la difficulté, alors automatiquement, on arrive à savoir comment la personne, elle est. C'est ça que la personne, elle vaut. Il dit le Malbim, comment ça se fait qu'une personne, que des fois elle a l'air une bonne personne, elle a l'air, elle fait Shabbat, elle fait Kashrout, elle fait Tfila trois fois par jour, elle met les Tfilines, elle se couvre la tête, et un jour, il lui pète un plomb, et tu la vois réagir d'une mauvaise façon. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est bipolaire ? Elle a quoi comme maladie ? Elle est schizophrène ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il dit le Malbim, tu n'as pas compris. Cette personne, elle n'a jamais prié Hachem pour prier Hachem. Elle a prié Hachem pourquoi ? Elle a prié à Kadosh Baruch Hu pour des intérêts personnels. Elle a fait Shabbat pour un intérêt personnel. Elle a fait telle mitzvah pour un intérêt personnel. Alors le jour où cet intérêt, il lui va plus, alors on change. C'est pas qu'en vérité, elle est devenue bipolaire. Mais non, toujours ce qu'elle a fait, elle l'a fait pour un intérêt. Il dit le Malbim, c'est ça Tmimout. Tamim, un homme qui fait le bien pour le bien, c'est pas important. Rappelez-vous l'histoire que je vous ai racontée avec le mari qui s'occupait de sa femme à l'hospice de vieux. Et la femme, elle lui a demandé, mais monsieur, elle se rappelle pas de vous, votre femme. Pourquoi vous venez tous les jours? Elle a dit, mais si elle se rappelle pas, moi, oui, je me rappelle. Ça veut dire qu'en vérité, l'homme, on fait pas le bien parce que l'autre doit te dire merci. On fait le bien parce que le bien, il doit être fait. Parce qu'on doit faire, on doit donner le bien à quelqu'un. Arrivé. V'tachlit zarot sheba avuram yaseh tzedek. Ulavdil benehem nikra atamim be'emet. Et il dit, quelle différence il y a, le Malbim, entre le premier et le deuxième? Le premier qui fait le bien pour le bien, sans avoir aucune intention personnelle, il est tamim pour Hachem. Il fait l'autre, il te fait croire qu'il est tamim. Bechem tam levav, shat mimut nishrash belibo, lo bechitsinyoto levad. Il dit le Malbim, il y a 200 ans, il a écrit le Malbim. Il dit, il y a des gens que toute leur vie, ils vont vivre pour l'extérieur. Je vous ai raconté l'histoire du rabbin qui croyait qu'il y avait des élèves qui venaient écouter sa prière, alors il priait fort, et on est gratté derrière la porte. Et un jour, il a ouvert la porte, qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il trouvait un petit chat. Il s'est rendu compte qu'il a prié toute sa vie pour un petit chat. Il y a des gens qui font croire aux autres beaucoup de choses, mais à l'intérieur, qui tu es ?
comment tu es dans ta vie de tous les jours. Comment? On avait vu avec David Ameler. Pourquoi David il n'a pas tué Shaoul? Parce qu'il a vu comment Shaoul allait à ses besoins d'une façon avec un derech eretz qui était hors du commun de pouvoir y arriver. Ve'ahan shebekal ite Adam be'atzmo. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Malbim? Le Malbim il dit, tu sais quoi? C'est tellement facile de se méprendre ses propres besoins. Ve'yachshov she'ose ma'aseh u'bitmimut. Il dit le Malbim, vous savez comment le Yetzer Hara nous attrape? Il nous fait croire souvent qu'on sert Hachem bitmimut. Ouais, je suis une bonne personne, je suis un tzaddik, je suis bien, je pense à rien. Ou behemet imtza belibo achar achipus penya nisteret. Mais il dit, mais en vérité, quand il commence à gratter dans son cœur, alors il trouve kavod, gava, il trouve tellement de mauvaises midot, pourquoi il fait les choses. Et la preuve, comment on y arrive? Alors ils écrivent les mefarshim. Comment une personne, elle sait si vraiment tu es une bonne personne ou tu es pas une bonne personne? Il dit le Malbim, vous savez comment? Comment tu agis quand tu es tout seul? Est-ce que quand tu es seul, tu es perdu, tu es dans ton avion pour partir en Chine, est-ce que tu te comportes correctement? Est-ce que tu mets tes filines? Est-ce que tu pries Hachem? Ou bien non? Parce que maintenant, il n'y a plus personne qui te regarde, alors tu as disparu, tu es une différente personne. Un jour, je rencontre des gens. Un jour, il a le chapeau. L'autre, il n'a pas le chapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Un jour, j'étais en vacances. Comme ça, mais non. Cravate, veste, chapeau. Arrivé. Quelqu'un m'a dit, Rabbi Kremizi, vous n'êtes pas en vacances? J'ai dit oui. Il m'a dit, pourquoi vous avez le chapeau? Je dis, pourquoi le chapeau, c'est pour la yeshiva? Le chapeau, c'est pour le bon Dieu. On a un chapeau. On marche avec le chapeau, que ce soit à Miami, à Montréal, à New York, à Paris, le chapeau. On a le chapeau. Point la ligne. On est qui on est par rapport à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je lui dis, quand vous marchez, vous enlevez votre perruque? Elle m'a dit non, alors pourquoi vous avez mon chapeau? Vous avez votre perruque, moi j'ai mon chapeau. Quelle différence ça fait? Ça, c'est comment la personne doit être. On doit servir Hachem. Une personne, elle sert Hachem, elle fait des tilat, elle fait les brachot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait? Tamim tiye Hachem Elokecha. L'homme, il doit vivre avec Kadosh Baruch Hu. Shelo yelech ou aderech, rak aderech tavo elav. Et il dit, le Malbim, quelque chose de plus. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire que David Amelech, il dit, Ashkila bederech tamim, matai tavo elai. Il dit, l'homme, il doit prier que cette façon de vivre, elle vient chez nous. Parce que c'est pas facile de rentrer et de servir Hachem comme ça. On doit prier Hachem que Hachem, il nous amène ce goût du bon pour le bon. David HaMelech, il a demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, envoie-moi que j'ai envie de servir Hachem, pas pour une autre raison, que j'ai envie de te servir juste pour servir le bien qui est arrivé. Et il dit, chez En Champenia, et il dit que chez Aler Betam Nevavi Bekerev Beti. Et il dit, le Malbim, quand un homme il est à la maison, quand un homme il est dans son lit, quand un homme il est dans les endroits les plus privés, comment il se comporte, comment il arrive? Et il dit, chez En Champenia Mishevach Bene Adam, quand dans ta maison, il n'y a personne qui te regarde. Il n'y a pas qui va te dire, waouh, bravo pour le Birkat Amazon, hein. Bravo pour Sheakol, hein. Bravo pour Amotsi. Qui c'est qui te regarde? La mouche qui est embête, elle va te dire merci. Qui c'est qui va te dire merci? Mais tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. Veze siman, il dit le Malbim, Sheye tam levavi lotemimut ritsoni. Il dit comment l'homme, il doit savoir s'il est une bonne personne, quand il est déconnecté de toute personne qui peut le voir, et pourtant, il continue à se comporter correctement. Et il dit, malheureusement, celui qui fait par rapport aux autres, alors à la moindre occasion, il va lâcher et il va se comporter comme un sauvage. Un jour, il y avait un homme qui était un rabbin businessman. Je ne sais pas si c'était businessman, rabbin, radin, robin des bois. Je n'ai pas trop compris. Et un jour, il est arrivé dans une place et il a dit une mauvaise chose. La femme, elle lui a dit, mais vous n'êtes pas rabbin, vous parlez comme ça. Alors il lui a dit, maintenant je ne suis pas rabbin, je suis un businessman. Il m'a dit, Rabbi, qu'est-ce que vous pensez de cette... Je dis, un homme qui pense qu'il n'est pas rabbin à 2h, alors il n'est pas rabbin aussi à 9h du matin. Parce qu'on ne peut pas être un rabbin à 9h du matin, à midi gangster et à 3h businessman. Tu es un rabbin tous les jours. Tu te lèves du matin, tu es soir.
Dis-moi, ma femme, elle se lève le matin, elle met sa perruque. Jusqu'au soir qu'elle va dans son lit, elle a la perruque. Elle dit pas, maintenant, je suis. On ne met pas la kippa le matin, on enlève la kippa. Ça marche pas la vie comme ça. On est un ben Adam. Comment on est, comment on se comporte à chaque moment de notre vie pour pouvoir y arriver. Et on doit prier à Kadosh Baruch Hu que l'envie de faire le bien, dit le Maldim, ce que Hachem veut de moi, alors on va la porter. Et il dit, le pasouk, Rashi ramène le pasouk dans Micha. Le pasouk dans Micha, il dit, Ve'atzne alechet im Hachem elokecha. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'atzne alechet im Hachem elokecha? Alors, la traduction, tznea, ça vient du mot tzniut. Lechet, c'est aller. Ve'atzne alechet im Hachem elokecha. L'homme, il doit aller avec pudeur dans tous les domaines de sa vie, avec Akadosh Baruch Hu. Où tu vas dans ta vie, Rachidi? Ve'atzne alechet. Même comment tu marches, on doit savoir marcher comment Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Tout le monde connaît l'histoire de Masechet Chagigam, Masechet Avodah Zarah, pardon. La Gemara, elle nous raconte qu'il y avait un jour la belle-sœur de Rabbi Meir Balanes, la femme de Bruria, elle a été prise en captivité pour être vendue comme prostituée. Et la Gemara a dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette jeune fille, la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, un de nos plus grands martyrs, comment une fille juive, elle a pu être vendue comme esclave pour être une prostituée. Et la Gemara a dit, vous savez pourquoi? À cause qu'un jour, elle a marché, et un Romain, il a dit, ouah, qu'est-ce qu'elle marche bien. Alors, elle a quoi? Elle a marché un peu mieux. Le fait de marcher, à mon avis, à ce moment-là, cette pauvre fille, qu'est-ce qu'elle a voulu? Elle a voulu faire Kiddush Hashem. Elle a voulu sanctifier en Akadosh Baruch Hu. Elle a pensé mieux faire. Alors, c'est quoi la question? Pourquoi elle a été punie? La réponse est simple. Si tu as été capable de marcher avec plus de tzeniout, alors pourquoi tu as eu besoin d'un compliment pour marcher? Pourquoi tu n'as pas pu marcher encore mieux pour Akadosh Baruch Hu? Du fait que tu as eu besoin de t'améliorer par rapport à un compliment d'un Romain, ça veut dire qu'il manquait de la tmimout par rapport au service divin d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, ve'atzne alechet. Cache ta façon de faire. Marche avec Akadosh Baruch Hu d'une façon qui est meilleure pour pouvoir y arriver. David HaMelech, il écrit dans Pasuki Gimel, Lo hashit le neged enai. Je ne veux pas mettre devant mes yeux, ouais, devar belial, des gens, des choses mauvaises, on va voir, assez sitim, des gens qui se détournent, ça n'est-il bagbi. La haine ne va pas se coller avec moi. La traduction littérale des mots. Il explique les mefarchim, il dit qu'est-ce que ça veut dire. Il dit, David HaMelech, un homme doit faire attention. Et je ne veux pas créer de problème de shalom bayit avec des frères, avec des sœurs, mais je parle en général. Il faut faire excessivement attention. Qui sait que nous rentrons dans notre maison? Vous ne connaissez pas les conséquences sur nos familles, sur nos enfants, sur nos petits-enfants, des personnes avec qui on rentre à la maison. Rahmana Etzlan, les gens qui rentrent à la maison, un mot, peuvent détraquer un enfant, peuvent littéralement poser une question qu'il ne faut pas et que l'enfant peut être détruit du cerveau psychologiquement, point de vue Torah, faire attention. David HaMelech, il écrit et il dit, j'ai pas envie de rentrer dans ma maison certaines personnes. Qui c'est que David HaMelech, il veut pas rentrer chez lui? Je t'aime mon frère, t'es bien, dehors, on va se voir à Pizza Pita si t'as envie. Mais à la maison, on se voit pas, tu rentres pas voir mes enfants, David HaMelech, il dit. C'est qui? Devar Belial, c'est quoi? Il dit des gens qui sont de mauvaises pensées et qui ont du mensonge. Les menteurs ne peuvent pas rentrer dans nos maisons. David HaMelech, il dit, si on veut protéger notre maison, qu'est-ce qu'on doit faire attention? Devar Belial. Est-ce que la personne, elle dit la vérité ou la personne, elle dit le mensonge? Ah, c'est Sitim Saneti. David HaMelech, il dit, j'ai détesté les humains, qui font les choses qui sont pas droits, qui détournent la vérité, qui sont des traloueurs, on appelle ça en marocain, traloueurs de service. Le mec, tu sais pas, c'est pas blanc, c'est pas noir, c'est gris, c'est vert, c'est plus blanc que blanc, c'est gris clair. À la même skin, tu sais pas, comme il a dit Coluche, plus blanc que blanc, le chat, c'est gris clair. Tu sais pas qu'est-ce qu'il veut. Ouais, à cause qu'il n'est pas Loïd Bagbi. David HaMelech, il dit, j'ai pas envie que ces gens-là, ils soient avec moi pour pouvoir y arriver. Et qu'est-ce que c'est?
Il dit de Mefarshim, on a trouvé dans ce passage le nom du Radak et le nom du Metsudot. Le Radak, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Sanetiet bene Adam aosim stia. Il dit, toute personne qui n'est pas droite, David Amelech, il dit, je l'ai haï. Moi, l'éternel, je ne veux pas. Je ne veux pas chez moi. Le Metsudot, il dit, c'est pas l'homme, mais c'est la Mida. Pas envers la personne, mais envers cette Mida qui était d'être un traloueur de service. C'est de cela que je me suis éloigné et je ne peux même pas arriver avec eux pour pouvoir y arriver. David Amelech, il écrit dans Pasuk Dalet et il dit, les vaves, ils couchent, yassour mimeni. Il dit, moi, je ne me suis pas collé avec des personnes qui sont ikesh. C'est quoi ikesh? Des gens qui sont pas droits. Toute personne qui est un peu tordue, c'est pas droit. L'homme, il doit être droit dans la vie. Bien, droit, on avance, on mange, on peut pas. Dès que c'est un peu tordu, automatiquement, tu es pas droit. David Amelech, il dit, ralo eda. David Amelech, il continue et il dit, aller dans le chemin du mal, j'ai pas envie de connaître le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que David Amelech, il dit, non seulement je veux pas être ami avec les gens mal, mais même connaître que le mal, il existe, j'ai pas envie. Mon épouse, toujours, elle me dit, regarde, que dans les nouvelles, on écoute une catastrophe. La même catastrophe se répète, par exemple, Dieu préserve. Il y a quelqu'un, il tue quelqu'un. Une mère, elle tue son enfant. La semaine d'après, on entend un autre et un autre. Qu'est-ce qui se passe? Le fait que les gens, ils entendent le mal, ça leur donne des idées de faire du mal. David Amelech, il dit, tu sais quoi? Je veux pas être ami avec les gens mal. Et même juste entendre qu'il existe des gens mal, je veux pas. Je veux pas. J'ai pas besoin de savoir toutes les mauvaises nouvelles du monde. J'ai pas envie d'écouter. Donne-moi des bonnes nouvelles. Réouveni s'est marié. Shimon, il a eu des enfants. Lévi, il a eu ça. Ça, j'ai envie d'écouter. Le mal, le fait de savoir que le mal, il existe, quelque part, ça nous donne des droits. Exemple, Rahman Haïtzlam. Le fait, tout le monde y connaît l'histoire du Chafetz Chaim. Que le Chafetz Chaim, le jour où il a vu un juif, pas Shomer Shabbat, il a pleuré pendant une heure. Le jour où il a vu un deuxième juif être Mechale Shabbat, il a pleuré deux heures. On dit, Rabbi, pourquoi la première a pleuré une heure et la deuxième a pleuré deux heures? Il dit, parce que le deuxième, j'ai eu moins mal au cœur que le premier. Alors j'ai pleuré deux heures parce que je commence à m'habituer à voir un juif Mechale Shabbat. Ça veut dire le fait de voir le mal, d'entendre le mal, quelque part, ça nous rentre. David Amelech, il vous dit, hey, mesdames et messieurs, pourquoi vous avez des nouvelles à la maison? Pourquoi vous entendez ce qu'il ne faut pas entendre? Pourquoi? Protégez-vous, éloignez-vous du mal, n'entendez même pas de savoir qu'est-ce qui va arriver. David Amelech, dans le Pasuk He, il va expliquer quelle différence il y a entre le royaume de David Amelech et le royaume des rois. Juste pour vous donner, il y avait à Paris un professeur qui s'appelait le professeur Baruch. C'est un grand psychiatre, chef de l'hôpital. Et dans son bureau, il y avait une pancarte qui disait comme ça. Ici, la médisance ne paye pas. Pourquoi? Étant chef de l'hôpital, tous les goyim, qu'est-ce qu'ils faisaient? Chaque docteur, il venait parler l'un contre l'autre. Pourquoi? Docteur A, il parle contre docteur B, docteur B contre docteur C. Et à la fin, c'est séparé pour mieux régner. Et avec du lashon hara, chacun y montait en grade. Docteur Baruch, il a écrit dans son bureau, ici, la médisance ne paye pas. Vous dites lashon hara l'un contre l'autre, vous irez pas plus. Vous n'allez pas avoir un grade plus haut. David Amelech, il écrit et il dit, la norme dans les royaumes, c'est que les gens, ils veulent écouter lashon hara. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il pense de moi, celui-là? Et on se nourrit de la haine de pouvoir arriver à voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi. Il y a des gens, dans leur vie, ils ont des recherches dans leur compagnie. Qu'est-ce que les employés pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils sont là? Pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir. Un jour, quelqu'un m'a dit, Rav, vous savez qu'est-ce que vos employés pensent? Je dis, oui, ils m'aiment tous. Il m'a dit, vous croyez vraiment? Je dis, je le crois, je suis gentil avec eux, pourquoi ils penseront mal de moi? Mais mec, je croyais que tout le monde y m'aimait. Bon, moi, c'est comme ça que je pense. Que chacun est gentil avec les gens ils sont gentils avec nous pour pouvoir y arriver. David Amelech, il dit, comment on gère un royaume d'après la Torah? Un homme, un royaume, c'est votre famille, c'est votre travail,
c'est les gens avec qui vous étiez, que vous êtes tous un roi. On est tous rois à la maison. On est tous un roi et une reine. Et comment on se comporte dans notre maison? Alors David HaMelech, il écrit et il dit certaines choses. David HaMelech, il écrit comment une personne, elle doit vivre la vie. Molcheni basetereu. Il dit David HaMelech, celui qui me raconte des petits commentaires sur les autres, auto atzmit. Tu sais qu'est-ce que je vais faire, celui qui me raconte du mal de que les gens ils m'ont raconté? Alors automatiquement, je vais le décimer. David HaMelech, il dit marsil, c'est quoi? Auto atzmit, ça vient du mot mechassel. Carrément, traduisons littéralement, en hébreu ça veut dire détruire, lui couper la tête. Kadiachol, David HaMelech, il écrit. Geva et Naïm. David HaMelech, il dit celui qui a les yeux en haut, ou Rechav Lev. Il dit je peux pas supporter, je pourrais pas avoir une connexion et rentrer à ma maison. Ouais, des personnes qui sont Geva et Naïm. C'est quoi? Si vous voulez savoir quelle personne rentrer chez vous et quelle personne ne pas rentrer chez vous, David HaMelech, il dit les gens qui aiment l'honneur, alors il faut savoir qu'ils ne sont pas intéressés à être vos amis. Ils sont intéressés à se servir de vous pour pouvoir grandir. C'est ça qu'ils ont envie. En un mot, ils veulent être plus grands, alors ils veulent vous écraser pour être encore plus grands que vous. C'est ce qu'ils sont intéressés. David HaMelech, il dit, des gens qui sont Baal Gaava, des gens qui ont envie de grandir sur mon dos, pourquoi ? Allez, moi j'ai pas assez de problèmes que tu dois te supporter sur mon dos à toi aussi. Reste chez toi, monte sur le dos de ta femme pour te monter sur mes épaules à moi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Ouais. David HaMelech, il dit, celui qui aime beaucoup de kavod. Il y a pas longtemps, quelqu'un il m'a raconté qu'il était, quelqu'un il a, avant de s'asseoir, il a dit, avant que je m'assoie, j'ai envie que l'autre, il doit m'appeler avec les honneurs. Il est complètement malade, le mec, ou quoi? Va te faire soigner, je lui dis, tu sais, ça coûte 10 dollars un Messilat Yesharim, tu vas, tu la prends, c'est gratuit, et tu deviens normal, hein, qu'on doit t'appeler monsieur le président de, mais où tu vas aller, qu'est-ce qu'il va faire? Il y avait un jour, un homme, Zilberstein, il raconte qu'il arrivait chez un monsieur, il avait une chaise en argent. Je sais pas si vous avez déjà vu, moi j'ai vu ça, à New York, une chaise entière en argent, un argent massif. Alors le rave, il rentre, il dit, mais, pourquoi vous avez une chaise en argent dans votre maison? Vous avez une Brit Mila? Vous avez qui c'est Eliyahu Hanavi? Non, c'est marqué Khatan Domel HaMelech. Du fait que Khatan il Domel HaMelech, je me suis fait une chaise en argent. Le Rav lui a dit, elle est où la chaise de la madame? Il dit, Rabbi, c'est pas marqué que Kala Domel et Malka. C'est marqué seulement Khatan Domel HaMelech, j'ai acheté une reine. Il dit, monsieur, vous n'avez pas compris. C'est marqué Khatan Domel, il ressemble au roi, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été un roi, parce que c'est sa femme qui est la reine. Qu'est-ce que ça veut dire? En vérité, ça veut dire que le rêve lui a fait comprendre. Est-ce qu'un homme, il peut avoir à la maison une chaise en argent et sa femme Skena serait une chaise en tabouret? Ça veut dire que le gars, il n'a pas compris ce qui se passe dans sa tête. Il est complètement cinglé. Tu veux te faire un kiff? Achète-toi deux chaises, une pour ta femme, une pour toi. Tu veux un lit en or? Achète-toi deux lits, un or pour toi et ta femme. Tu es égal. Un homme qui a besoin du kavod, qui peut pas supporter qu'on ait, alors automatiquement on peut pas avancer. L'élève de Rabbi Israël Salanter, ouais. L'élève de Rabbi Israël, il s'appelait Yitzhak. Alors un jour, les bachourim sont venus chez lui pour l'aider pour les matzot. Et quand on est venu pour aider les matzot, il y a un bachour, il a dit, Itzele, il appelait son copain. Il a dit, Itzele, quelle heure il est? Alors le Rav Yitzhak, il lui a dit, il est 7h. Il lui a dit, Rabbi, Michila, c'est pas vous que je disais. Il dit, pourquoi? Ça fait une différence si c'est moi ou l'autre qui te donne l'heure? Les deux, on s'appelle Yitzhak et les deux, on a une montre. Rabbi Yitzhak, Petersburg, il avait même pas une Hava Amina. Quand on a dit Yitzhak, c'est qu'on parlait pas de lui. Il s'appelait Yitzhak, tu donnes l'heure. Il y en a qu'il faut les appeler monsieur le grand rabbin, président, madame la patronne. Attends, dégonfle les ballons un petit peu. David HaMelech, il écrit, il dit que l'homme qui a la Gaava, on peut pas l'avoir à la maison. Baal Gaava Sha'enaim Shelo Begova. David HaMelech, il dit, Urechav Lev, celui-là, Geva Enaim, Lo Uchal, je peux pas avec lui. Baal Ta'ava. David HaMelech, il a une troisième personne qui peut pas. Les gens qui sont avec des envies. On a tous envie du chocolat. Pas de ça qu'on parle. Qui c'est qui a envie, pas envie d'avoir un bon petit Torino de temps en temps, un bon petit café, un bon, c'est pas une tava, aller avoir un bon café le matin.
C'est pas si pire. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Une tava, c'est une personne, à partir du moment où elle n'a pas ce qu'elle veut, elle se comporte comme un animal. Quelle différence ça veut dire avoir envie de quelque chose et avoir une tava? Moi, j'aime le chocolat. J'aime le café. Alors, je suis un Baal Tava. Qu'est-ce que la définition? La définition, elle est, si tu n'as pas ce que tu veux, comment tu te comportes? Une personne, elle aime Nescafé. Elle n'a pas Nescafé, elle a, je ne connais pas la deuxième marque de café qu'elle a. Peut avoir. Il n'a pas, Nescafé Gold, il y a Nescafé normal. Non, non, Manaf Kamina. Il n'a pas la bouteille Evian, il y a la bouteille Contrex. Il y a la bouteille l'autre. Alors, non, tu vas pas mourir, c'est pas grave. Mais la personne Baal Tava, c'est celle qu'à partir du moment où elle n'a pas ce qu'elle veut, elle devient une différente personne. Ça, David HaMelech, il dit, waouh, c'est dangereux d'avoir avec une personne comme ça. Et il dit, Oev Kesef, les gens qui aiment l'argent, les gens qui sont à la course de l'argent, avoir plus et avoir plus et avoir plus, c'est très dangereux. Une personne, le passou qui dit, Oev Kesef, Loïs Bakesef, il dit, Shlomo Amedar dans Michelet, celui qui aime l'argent ne se satisfera jamais d'argent. 1000, 10 000, 100 000. Tu donneras 1 million, il voudra toujours avoir plus cher. Un jour, on est dans un cours, on a dit, qui c'est qui est plus riche? Le riche ou le pauvre? Alors, ils m'ont dit tous, le riche. Je dis, non, c'est le pauvre. Je dis, pourquoi le pauvre, il est plus riche que le riche? Pourquoi le pauvre, il est plus riche que le riche? Je leur ai dit, la Gemara, elle dit comme ça. Yesh lo mané, rotse mataim. Celui qui a un, il veut deux. Alors le pauvre, lui, il travaille dur. Il travaille 40 heures semaine, $15 de l'heure. Mesquine, il se tue. Combien il fait par mois? $1,500. Tu vas le voir, tu dis, monsieur, combien tu gagnes? Il dit, 1,500. Il dit, combien tu crois que tu aurais besoin pour être heureux? Il dit, moi, madame, monsieur, donnez-moi 3,000, je suis 100% heureux. Il est à combien du bonheur? À $1,500. Ça veut dire, lui, de passer de la tristesse au bonheur, à combien il est? Son bonheur, il coûte $1,500. Il y a un gars, Baruch Hashem, il travaille, il fait $50,000 par mois. Il dit, monsieur, combien tu as besoin pour vivre? Il dit la vérité. Tu me donnes 100 000, je suis heureux. À combien il est loin du bonheur? Il est à $50,000. Alors, qui c'est qui est plus riche? Le pauvre ou le riche? Le pauvre, il est que à $1,500 du bonheur. Le riche, il lui faut $50,000. Et le très riche, que lui fait $250,000 par an, lui il est à $250,000 du bonheur. Alors plus tu es riche, plus tu t'éloignes du bonheur, et plus tu es en l'autosuffisance, et plus tu es proche du bonheur pour pouvoir y arriver. David HaMelech dit, celui qui a la tavat mamon, celui qui a l'envie de l'argent, tu peux pas te l'avoir à ta maison. Parce que toute chose que tu vas faire, pourquoi tu fais deux bouts de viande? Fais un bout de viande. Pourquoi tu veux deux bouteilles de vin? Une bouteille de vin. Pourquoi tu fais un mariage? Allez, fais un petit mariage. Pourquoi tu fais? Toute ta vie, il va te diminuer, il va t'enlever le kiff. Toi, tu fais un Pessah, allez, t'achètes, t'es là, tu veux donner. Ah, Baruch Hashem. Et lui, qu'est-ce qu'il te fait? Il te casse chaque fois, il te coupe les pieds. Il t'enlève l'envie de vivre. Alors, il t'enlève. David HaMelech, il dit, cette personne, faut pas l'avoir à ta maison. Et il dit, David HaMelech, il dit, toute personne qui a ce genre de façon, alors, malheureusement, je peux pas vivre avec lui. Ani lo uchal sheu yeh chaver sheli. Il dit le Rav Edelstein. Qu'est-ce que David HaMelech dit? Qu'est-ce que ça veut dire lo uchal? Il dit l'homme il doit choisir ses amis. Un ami, c'est quelque chose avec qui, comme on appelle en hébreu un ami, chaver. C'est quoi chaver? Chaver, ça vient du mot chibour, un attache. On est attaché. Il dit on peut avoir des connaissances. Moi je connais plein de monde. Je vous promets, mais pas beaucoup d'amis dans ma vie. Si j'ai un ou deux amis, c'est beaucoup. Pourtant, je connais des milliers de personnes. J'ai un ou deux amis. C'est tout qu'est-ce que j'ai. Les autres, ça s'appelle des connaissances. Parce que être ami, être en itrabrout avec des gens, c'est très dangereux. Parce qu'on se laisse influencer et automatiquement, on veut vivre leur vie. Et David HaMelech, il dit, Uchav levav oto lo uchal. La Gemara, dans ma Maseret, dans ma Masechet Sota, elle dit qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk. La Gemara dit n'écris pas le mot uchav levav oto lo uchal. La Gemara dit uchav levav ito lo uchal. Qu'est-ce que ça veut dire ito?
Ito ça avec lui. Chas veshalom, Akadosh Baruch Hu, il dit, En ani ve'u yacholim ladur beyachad. Il dit, si un homme, il a ses comportements de gaava, Dieu préserve, même Dieu, il veut pas de toi. Dieu, il dit, lui et moi, on peut pas avancer. Comment on veut faire venir chez nous quelqu'un qui n'a pas la présence divine? L'orgueilleux ne peut pas vivre avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Pareil, David HaMelech, il écrit dans le Pasuk Zayin et il dit, Dover Shekarim Loikol Negedenai. David HaMelech, il dit, celui qui ment, alors je peux même pas le voir. La voir devant mes yeux, je peux pas la voir. Le Netziv de Volozhin, un jour, il raconte que la Yeshiva de Volozhin, la Yeshiva, elle avait beaucoup de dettes. Alors, automatiquement, on avait parlé au Netziv qui avait un homme qui savait bien parler et qui pouvait aller à la banque avoir un prêt. Alors, on lui a demandé, on lui a dit au Rav, allez voir ce monsieur et parlez-lui des difficultés de la Yeshiva et peut-être il va essayer de vous avoir un prêt à la banque pour aider à manger les bakhourim, la viande, le pain. Il y avait une grande dette à la Yeshiva. Alors, le Netziv, il est parti le voir et quand il a commencé à lui parler, après le Netziv, il lui a rien demandé. La délégation qui était avec le Netziv, ils ont demandé, Rabbi, pourquoi vous lui avez rien demandé? Il a dit le Netziv, parce que j'ai commencé à voir que ce monsieur, il mentait. Et du fait que ce monsieur, il racontait des mensonges, alors j'ai compris que la façon comment il intervenait avec les banques, c'est en racontant des mensonges. Et il dit David, il a dit le Netziv, Dover Shekarim Loikol Negadenai. Comment je pourrais faire vivre ma yeshiva à travers une personne qui était un menteur? David HaMelech, il a dit, même le voir, on ne doit pas le voir. Est-ce qu'on va se servir d'une personne menteuse pour arriver? Ça, on n'a pas le droit. L'homme, il doit faire excessivement attention à ne pas, chas v'shalom, utiliser le mensonge pour arriver à des fins. On a dit souvent à des cours, il n'existe pas de demi-mensonge. Il n'existe qu'un mensonge. Il n'existe pas de demi-vérité. Il n'existe qu'une seule vérité pour pouvoir y arriver. David HaMelech, il écrit la Bekarim, Atzmit, Korish et Aretz. Le rythme ir Hashem kol pole aven. David HaMelech dit, je n'ai qu'une seule envie, d'exterminer littéralement au plan physique et spirituel toutes les personnes qui font du mal et de détruire et de pour pouvoir reconstruire la ville d'Akadosh Baruch Hu. Intéressant. David HaMelech, il a parlé de mensonges, de détruire les personnes qui font le mal avec la venue du Beit HaMikdash. Ça veut dire que si on veut que la Shrina elle va résider chez nous, la première chose que l'on doit faire, ça veut dire on doit commencer à dire la vérité. On avait commencé, vous rappelez, on avait dans le Zohar, Bereshit, Bara Elohim, Bara Elohim Et. Tout ça, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Emet. L'homme, s'il veut faire descendre sur terre la présence divine, elle ne vient, dit David HaMelech, que à travers quoi? À travers la vérité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? La vérité, c'est pas seulement dire la vérité. La vérité, c'est faire résider la vérité dans notre maison. Ça veut dire que si on a un ami qui est sympa, ou un ami, mais malheureusement il ment, malheureusement il n'est pas dans notre mode de vie, comment on peut le laisser rentrer chez nous et lui faire croire qu'on est son ami quand en vérité il n'a pas nos valeurs? David HaMelech dit, si l'homme, ces fois ça fait de la peine, comment on peut, bien sûr, on va faire du kirouv, on doit apporter les gens à la Torah, ça fait partie de notre travail. Mais encore une fois, on ne parle pas de connaissance. On parle d'avoir une amitié profonde avec des gens qui ne suivent pas notre façon de vivre. Si je vous pose une question, si vous aviez une personne dans votre entourage que Bar Minan, il fait des choses terribles à des enfants, qui fait des choses terribles à des femmes, des choses terribles à quelque chose, est-ce que vous le rentrez chez vous? Non. Alors pourquoi vous le faites rentrer quand il parle mal de Dieu? Pourquoi vos enfants sont pires que Dieu? Pourquoi votre portefeuille, imaginez-vous, vous avez un ami, chaque fois qu'il vient, il vous vole 10 dollars. Vous n'allez plus l'amener à la maison. Tu vas pas perdre d'argent. Alors pourquoi tu vas faire venir quelqu'un qui blasphème à Kadosh Baruch Hu à chaque fois qu'il va venir? David HaMelech, il dit, l'homme qui veut faire venir Beit HaMikdash, il faut être honnête. Notre maison, encore une fois, je ne parle pas de connaissance. Je parle pas de kirouv, je parle d'amitié. Notre amitié, elle doit être versus ce que l'on est. Tout le monde connaît le proverbe qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Et ça, c'est ça que ma chère, il a besoin. David HaMelech, il dit, mais ir Hashem kol po'aleh aved. On a l'obligation de
enlever toutes ces personnes qui sont néfastes de la vie d'Akadosh Baruch Hu. Pour faire résider Akadosh Baruch Hu parmi nous, alors on a besoin que Akadosh Baruch Hu fasse que tous nos frères, tous nos sœurs reviennent à la Torah, que tout le Ham Israël se rapproche, qu'on puisse pas seulement avoir des milliers de connaissances, mais des milliers d'amis qui vont tous être avec nous dans le même chemin d'Akadosh Baruch Hu. Et que, je terminerai, que même si on a des fois l'obligation, pour des raisons quelconques, d'avoir des gens qui ne sont pas à notre niveau, mais que nous sommes les donneurs et que eux deviennent les preneurs. Et ne jamais rentrer chez nous que eux vont être les donneurs et nous les preneurs. Dans tout ce qui arrive, Torah, Maasim Tovim, Shabbat, Kashrut, que nous sommes les influenceurs sur eux. Que quand ils sortent de chez nous, ils ont augmenté de niveau de Shabbat, augmenté de niveau de Torah, augmenté de Kashrut, et par Chas V'Shalom, qu'en quittant, on se reste avec des questions. Ah, peut-être que j'arrête de faire Shabbat Bar Minan, qu'on commence à se poser des questions sur la Torah, et l'inverse. Et je terminerai avec un dicton du Rabbi de Lubavitch, que le Rabbi de Lubavitch lui a demandé comment on peut arriver. Et le Rabbi l'a dit, tant que tu donnes, tu ne seras pas capable de prendre. Mais le jour où tu arrêtes de donner, alors tu vas être capable de prendre. Il dit, colle des palites là-bas là. Tant et aussi longtemps que quand tu vas avoir des gens chez toi qui ne seront pas à ton niveau, mais tu vas leur donner de la Torah, la Yirat Shamayim, et tu vas transpirer la crainte de Dieu, alors du fait que tu vas extraire de toi toute cette Torah, alors tu seras dans l'incapacité de pouvoir absorber leur comportement. Mais si tu arrêtes de donner, alors automatiquement tu vas recevoir et tu seras maintenant dans une manipulation psychologique de pouvoir malheureusement être nishpa et recevoir de leur comportement. Qu'on soit toujours un donneur, jamais un preneur, que toute personne qui rentre chez nous, compris Akadosh Baruch Hu, qu'elle ressortira toujours avec un petit peu plus de crainte de Dieu pour pouvoir arriver à Mashiach Tzidkenu Bimera Bi'amenu. Amen.